C'est un caravane de consultation gratuite. C'est Monsieur Barke Dieng du Dar es Salaam Khadiria Kountioune de Grand Yoff. Donc là, si vous voyez qu'on est là, c'est à cause du Khalife Général Khadiria. Donc ce programme a été notifié dans notre CV du Daïra. Donc plus particulièrement, on contribue à l'effort de la santé. Ce qui a fait, donc d'après qu'on a reçu ce matériel, on l'a offert aux cités religieuses. Donc comme le monsieur le maire l'a dit, donc on a fait Touba, Tiwaoune, Niassane. On prétend à faire Diamal la semaine prochaine. Ce qui nous a donné l'occasion aussi de venir ici avec une facilitation qu'il nous a offert pour venir ici à Sinjan pour le gamou de Fogny, le grand gamou de Fogny. Donc là, on est très content et on remercie l'infirmier ICP donc Ndour, Mamadou Ndour, avec tous les ICP de ce secteur. En même temps, le médecin chef de Bignona, avec le médecin adjoint qui nous a envoyé ici pour donc superviser donc le travail qu'on est en train de faire. Voilà, ici comme vous voyez, si on dit gamou, il y a les maladies donc aux dizaines qui se posent, souvent les maladies diarrhéiques, donc plus particulièrement il y a les maladies Astéa, donc c'est les azées. Donc il y a aussi quelques peut-être qu'on prévoit donc des traumatismes quelque part ou bien des blessures quelque part qu'on peut régler. L'ensemble de cette situation, c'est-à-dire d'essayer de soulager la population, les talibés qui viennent donc pour les 48 heures ou bien 24 heures pour le gamou. Voilà qui se passe ici. Quoi. Donc nous, on est à, je pense, à 200 et quelques patients pour le moment. Parce qu'on a commencé tard. On devrait commencer depuis hier. Parce que le programme donne 48 heures pour la consultation. Mais on a raté la journée d'hier. Maintenant, on est obligé de continuer jusqu'à l'aube. Voilà la consultation. Voilà. Donc.